Franck, bonjour. Ça fait à peu près 15 jours que tu t'es fait opérer du genou. Première question toute simple, comment vas-tu? Salut Nico, et bah écoute, ça fait un petit moment maintenant que je suis ici en centre de rééducation. L'opération s'est bien déroulée. Le compte-rendu opératoire est bon et voilà, on est dans cette phase de cicatrisation qui me permet d'entamer tout doucement la phase de rééduque derrière. On rappelle que tu t'es blessé lors de la 28e journée à Guingamp. Et rappelle-nous, quelles sont tes blessures, parce qu'il y en a plusieurs. C'est un beau forfait que je me suis pris là, je me suis acheté pour mon genou droit parce que il y a effectivement le ligament croisé antérieur qui est touché, le ligament latéral interne, le ménisque externe et donc un impact assez important sur le condyle fémoral. Donc tout ça fait que le genou va avoir besoin de temps. Encore une fois, l'opération s'est bien passée, mais il y a trois phases pendant lesquelles je vais devoir cicatriser, rééduquer et après réathlétiser quoi. Donc c'est un beau chantier qui m'attend. C'est vraiment la saison galère. Jamais t'as vécu ça dans ta carrière. Ouais, c'est compliqué parce que quand tu as été habitué à jouer le haut du classement, je pense que même pour les salariés du club, pour les supporters, pour la région, il y a un contraste avec ce qu'on a vécu avant. Il y a une attente et malheureusement, dans des saisons de transition comme on la vit maintenant, il faut savoir être patient parce qu'il y a un renouvellement de l'effectif, il y a aussi une adaptation à avoir. Et puis, on n'est peut-être pas forcément encore calibré pour bien figurer et en championnat et en Coupe d'Europe. Donc, ça fait office de formation pour les plus jeunes, à nous les anciens de les amener. Mais très sincèrement, c'est la saison la plus galère que j'ai vécue depuis que je suis à Lille. Tu reviens souvent au collectif, hein, avant de parler de toi. C'était pas dans une optique de solidarité et d'effet de groupe, je pense que le football n'est pas fait pour toi. Il faut différents caractères, mais je pense que chacun, la qualité de chaque joueur ressort à travers le collectif. Et de toute façon, c'est bénéfique pour tout le monde. Là, tu vois, c'est ma blessure du genou droit. Effectivement, je suis tout seul. Peux-tu nous expliquer cette nouvelle barbe, cette barbe naissante, et tu dois souffrir ici, c'est l'aventure? Ouais, la barbe, en fait, note si tu veux la souffrance que j'endure depuis maintenant 2 semaines. pas le temps. Pas le temps pour me raser, mais je crois que je vais pas rentrer avant de. Je vais pas rentrer comme ça. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ta date de retour à la compétition, ou encore c'est plutôt prématuré? Moi, je pense que c'est prématuré aujourd'hui de donner une date parce qu'il ne s'agit pas d'un ligament croisé isolé. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas chirurgien, donc D'ici la fin de l'année. c'est l'objectif. C'est l'objectif. D'ici la fin d'année civile, ouais. Est-ce que tu as un message à envoyer à tes partenaires qui vont terminer la saison sans toi? Ah ben, qu'est-ce que je pourrais? Déjà, merci à vous qui m'avez envoyé beaucoup de messages parce que c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis, essayer de finir du mieux possible parce que c'était une saison qui n'était pas facile, mais elle n'est pas finie. Et il y a encore de belles choses à faire, à vivre. Merci beaucoup Franck, merci de nous avoir accueillis ici dans Ouais. ton centre de rééducation. Bon rétablissement Ouais, ben et merci. à très bientôt. À très bientôt, à très vite, mec.